Hello, coucou. Alors, je prends longtemps comme ça en fait. Voilà, quel luxe de pouvoir me lever et commencer avec mes respirations Wim Hof, les stretching, la méthode Wim Hof. Si tu connais pas, bah, je te recommande vivement. Moi, je me couche ici dans ma Shadow Room et à côté de mes, où est-ce qu'ils sont? Tu vois les tambours chamaniques et je fais les 30 fois respirer. Donc, comment ça va? Tu peux chercher dans Google Wim Hof et tu trouves son site web. Tu peux lire pendant des heures. Tu respires 30 fois, tu inspires, puis tu expires, tu retiens ton souffle aussi longtemps que possible. Le mieux, c'est de faire ça avec cette application qu'il a. Et puis, tu inspires et tu retiens ton souffle et tu recommences 3 fois. Et après ça, le dernier tour, donc le quatrième tour, tu fais la même chose. Tu inspires à fond, tu vois, 30 fois dans un rythme bien soutenu. Ça, dans l'application, tu as carrément un breathing bubble où il te dit le rythme inspirer, expirer. Et tu entends la voix de Wim que je trouve absolument hypnotisant. Et après ça, tu expires, tu retiens ton souffle et puis tu fais des pompages. Et ce que ça fait, enfin, moi j'ai commencé à mon exercice, là j'ai avec cette application, j'ai poussé sur un mauvais bouton, je suis sortie de l'application, j'ai dit, oh là là, je vais le partager. Parce que je me suis dit, tous les matins, j'allais faire un Facebook Live. Et me voilà. Et je voulais hier, j'ai parlé de mes routines du matin, c'en est une. Donc les exercices de Wim Hof. Après, je fais une séance de auto-hypnose. De 20 minutes et après je médite. Et j'ai comme ça mes professeurs magnifiques que j'invite tous les matins dans ma vie et je sens cette connexion à ces personnes et c'est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose que je te conseille. Donc, ce que je disais avec Wim Hof, le breathing exercise, il a aussi la douche froide. Je ne l'ai pas reprise pour le moment. Avant, je pouvais prendre des. Je vais faire une. Mettre ma vidéo, j'ai fait une vidéo. Je pouvais prendre des ice baths. Donc, j'avais dehors, dans le jardin, on avait une sorte de piscine. C'est pour l'été qu'on met là, avec un boudin gonflable. Et on l'a laissé en hiver. Et je suis allée nager dedans tous les jours, même quand il y avait la glace dessus. Et depuis que je suis indépendante, bah, même si ça réduit totalement le stress, je n'ai pas repris ça entièrement. Coucou! Et donc, ce qui fait que je recommande absolument cette pratique. Et je fais ça tous les matins. Et ça me maintient en forme. Donc, ce que ça donne, à part le fait que physiquement, ça fait quelque chose, c'est super bon pour ton système immunitaire, ça fait aussi que je commence ma journée en étant fière de moi, en me sentant dans ma puissance, en étant contente que j'ai fait quelque chose pour ma santé et mon bien-être. Ça prend pas. Là, ça, si je vais tout faire, ça prend une heure. Hein. Avec les 5 Tibétains, je fais aussi. Je fais les. Qu'est-ce que c'est un tripié, ça s'appelle, quand tu te mets sur ta tête. Tu vois. Je fais ça tous les matins. Et vraiment, c'est important, non, de prendre soin de son corps et de son mental. Et expérimenter le vide comme ça, pas respirer, c'est quelque chose de vraiment spécial. Voilà. Ok, bah j'y vais. Oh, je suis en retard. Aujourd'hui, au lieu de commencer tout de suite, tout de suite, tout de suite, j'ai été dans mon groupe Porteuse de Lumière, regardez, parce qu'on a ce challenge. Et avec les 5 jours de visibilité. Et c'est magnifique ce que les femmes postent là-dedans. Ce sont souvent des femmes qui n'ont pas encore le courage d'être visibles sur leur page Facebook avec ce qu'elles font, alors qu'elles ont des projets vraiment magnifiques. Et je leur donne un espace et un petit cours pour apprendre à faire ça avec joie et légèreté. Et tu peux nous rejoindre si tu veux, c'est pas encore trop tard. Et ce soir, avec. Oh, est-ce que je vous ai montré mon installation magnifique ici? Ce soir, je donne un workshop sur les 50 idées comment gagner de l'argent en ligne, quelles sont les activités que tu peux faire. Et si tu veux, tu viens nous rejoindre et comme ça, tu peux participer. Tu vas recevoir un PDF gratuit avec 50 idées qui vient de ma business coach Sigrun. Et donc, voilà, on se voit ce soir. Bisous!
Et bonne routine du matin. Tu ne vas pas regarder l'heure à laquelle je la fais, mais j'ai déjà travaillé. J'ai une excuse. Bon, en plus, tu ne vas pas me taper un bureau et tout. Si tu veux te mettre, enfin, comment on appelle ça? Si tu veux lancer ton propre business, je peux que te le recommander. Bon, ben, ce n'est pas tous les jours facile, hein. On doit être son propre maître, son propre chef. Ça a du bon, ça a du pas bon, on doit tout apprendre. Mais en réalité, waouh, quelle différence. Je ne pourrais plus retourner dans ces bureaux à la con. Enfin, pour moi, c'était vraiment ça. Je ne veux pas dénigrer les gens qui vont dans un bureau, mais pour moi, ça a été un calvaire toute ma vie d'aller à Bruxelles, m'enfermer dans un bureau, aller dans cette ville de béton. Toutes les villes sont des villes de béton. Et faire ça, non, non. Même si les collègues étaient magnifiques, mais je travaillais dans une administration. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Mais vraiment, si tu hésites, n'hésite plus. Vas-y, saute dans l'eau et nage. Tu apprendras à nager. Tu ne vas pas te noyer, je te jure. Bon, je vais fermer les manches, j'arrête de parler.